Ils atteignirent ainsi les berges de la Smida, aux confins des provinces de Musashi et de Shimotfusa. Jamais cet oiseau n'apparut dans la capitale lointaine et nul ne le connaissait. Ils demandèrent au passeur « Quel est donc cet oiseau ?» L'autre répondit « Mais c'est l'oiseau Miyako dont le cri n'est autre que son nom. » Cette réponse inspira le poème. Mais si tel est ton nom, cher oiseau Miyako, je vais te demander, dis-moi, est-elle encore, n'est-elle plus déjà? Celle que je chéris.